Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo, on va colorier au feutre à alcool ces petits tamponnages pour pouvoir réaliser un peu plus tard dans une autre vidéo des ATC. Là c'est des tamponnages que j'avais eu en partenariat avec la boutique Global Land. De super tampons qui sont de très bonne qualité. Je trouve qu'ils sont assez costauds, enfin qu'ils sont. Alors je sais pas après dans le temps comment ils vont finir, mais là pour le moment j'en suis super contente. Donc là j'ai tamponné la petite sorcière, le petit diable. Je vais le faire avec vous. C'est vrai que souvent voilà je fais mes coloriages hors caméra parce que c'est quand même assez long. Et là je vais essayer de le faire bon là avec vous. Puisque si vous avez des tampons un peu ressemblants, vous pouvez reproduire. Alors, je vous mettrai, si ça vous intéresse, cette planche de tampons, je vous mettrai le lien en barre de description, ainsi que le lien de la boutique. J'ai un code promo qui m'avait donné, mais que j'avais pas donné à la promo quand j'avais fait l'unboxing. Je crois que c'est 4, 5 ou 4, non, 5 dollars pour 40 euros d'achat. 40 dollars d'achat et c'est Corinne 5 je crois. Mais de toute façon je remettrai tout ça en barre de description. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, alors je vais baisser un peu la caméra comme ça on pourra voir un peu mieux mon coloriage. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous mettrai ici. J'avais eu d'autres tampons, je vous mettrai ici la vidéo où j'avais fait certaines créations. Donc voilà, là on va faire le coloriage et ensuite je ferai une deuxième vidéo qui sera mise par la suite hein, pour vous montrer les ATC que j'ai fait avec pour justement utiliser aussi le tampon voilà fond d'ATC, le derrière des ATC. J'utilise celui-là comme ça vous verrez le rendu sur les ATC. Donc on va commencer. Alors là je vais utiliser des tweed markers. Hein. Donc je vais commencer par la petite sorcière. Alors je vais déjà faire le visage. Donc, je vais commencer par celui-là. Je vous dis les numéros au fur et à mesure. Alors, je fais mes petits essais. Non, ça, c'est pas celui-là non plus. Je vais y arriver. Oui, parce que c'est le 29 que je vais utiliser. Donc, je mets le bouchon ici. Comme ça, vous voyez le numéro que j'utilise pour faire la première partie. Donc, je fais comme ceci. Je sais que vous êtes nombreuses à pas aimer trop les twin markers et à pas savoir trop comment les utiliser. Quand on a la technique, c'est assez simple. Donc, c'est que ça sèche assez vite, là, comme c'est des feutres à alcool, là. Donc, je vais laisser comme ceci. Ensuite, je vais prendre le plus foncé, celui-ci. Ça c'est le même. Pourquoi j'ai pris le même? Je sais pas. Non, c'est pas le même. Alors là, c'est le numéro 25. Là, je vais faire sous les cheveux, un peu sur les oreilles, comme ceci. Pour faire l'ombre. Si. Et ensuite, je reprends le 29. Je viens affiner tout ça. Je vais faire des petites joues avec le 212. Ça va pas le faire. Le 212 non. Voilà, je suis allée chercher le 26 pour lui faire les joues. Comme ceci, on va utiliser le 212. Pas les bonnes couleurs, je sais pas ce que je suis allée chercher. Voyons le 113. Le 113. Mieux. Voilà, on va faire, on va laisser sécher le visage, on va faire la petite robe, je vais la faire en violette.
Donc je fais mes petits essais pour voir lequel, parce que sur le bouchon ça correspond pas vraiment à la couleur. Alors on va commencer par le numéro 85, comme ceci. J'ai oublié de faire le coup. Voilà. Et ensuite, on va prendre le 81. Et on va venir foncer ici. Voilà. Et là, je vais venir foncer toute la robe. Et ensuite je vais reprendre le 85, je vais venir voilà atténuer tout ça, faire dégrader. Ceci, laisser sécher. Ensuite la ceinture, je vais la faire, je sais pas trop comment. Là j'ai pris le GG9, je vais venir repasser le noir parce qu'il a mal tamponné. Ah oui, j'ai tamponné avec de la Memento pour éviter que ça bave. Je vais venir voir. Ajouter. Plus noir. Ici, je vais le faire à noir aussi. Les gants, je vais y faire noir. La ceinture en noir aussi. L'intérieur, je vais le faire en orange un peu, en marron. Là aussi. Ensuite, je vais repasser les bottes. Je vais faire les cheveux verts. Voyons ce vert. Ouais. Les cheveux en vert. Et après, je vais prendre le vert plus foncé. Je vais venir comme ceci. Voilà. Ensuite, le balai. Le balai, je vais le faire avec le numéro 31. Ici des blancs là. Ensuite, je vais prendre le 91.
le machin. Et le G9. Voilà, on va faire la citrouille. Essayer de trouver du orange. C'est pas du orange, celui-là peut-être. C'est du orange le 23 peut-être, non même pas. Bon, 23 allez. On va faire le 23, mais bon, c'est un orange bizarre. Je vais faire un le 33. On fera le 33. Et avec le 24. Je vais repasser un peu les yeux et les biscuits à l'intérieur. Je sais pas comment. Ouais, je vais faire un vert. Hélas, en orange aussi. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon gris. Je vais venir mettre un peu de gris à mon crâne ici. Un peu de gris ici. Sur ma ceinture et sur les collants. Ensuite, un feutre blanc, on va venir mettre un peu de lumière sur tout ça. Voilà pour la petite fille, enfin pour la petite sorcière. C'est joli. Et là, on va faire le petit diable. Alors, pour le petit diable, je suis allée chercher les couleurs qu'il me fallait. Alors, on va lui faire la robe. On va commencer par le 22. On va lui faire une robe un peu orange et rouge. Voilà, avec le 22. Les bottes, on va lui faire pareil. Voilà. Et ensuite, on va prendre le 122. On va faire comme ça.
On reprend le 22. Remettre du 122. On va ensuite faire les cordes, on va les faire avec le 10. Aussi le cœur ici, la paume, alors 48. Alors les cheveux, on va lui faire marron. Donc, on va faire la peau avant. Je ne me rappelle plus, on va faire le 26. Et ensuite, le 25. Non, pas celui-là. Pas celui-là non plus. Je vais y arriver. Peut-être 213, hop. Vers les petites joues. Ensuite, on va reprendre le 29. Alors, pour les cheveux, on va prendre le 34. Cette vidéo vous plaira et vous inspirera et vous aidera dans votre coloriage. Ensuite, je vais prendre le marron. Alors, on va faire la même couleur.
prendre le 34. Voilà, ensuite je vais rajouter des petites pointes de blanc sur la paume, hop, ici, sur le cœur. Là. Je risque de repasser avec le stylo noir. La fourche. Et voilà. Mes deux petits personnages, je vais détourer. Ensuite, je vais... Bon, celui-là, je ne le fais pas avec vous, parce qu'il est vraiment très simple. Parce qu'il n'y a que du noir. Et la momie qui est ici, je vais la faire en gris. Je vais juste faire le visage. Du coup, ça, je le fais hors caméra. Enfin, hors caméra. Je ne le fais pas avec vous. Déjà, vous avez déjà deux petits personnages en coloriage en vitesse réelle. Du coup... je vous souhaite une bonne journée créative. Je ferai le tuto des ATC dans une autre vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite.